Je suis en Savoie, il est à peu près 6h20, donc je me suis levé très tôt. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi sur le terrain, on va faire de la macrophotographie, puisque on va essayer de photographier un magnifique insecte qui est l'ascalaphe. Alors, je suis vraiment hyper content de vous présenter cet insecte, car c'est un insecte qui n'est pas très connu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît, pourtant il est absolument magnifique. Moi, c'est un de mes sujets préférés. Et c'est un insecte qui va être un peu à la croisée entre le papillon et la libellule. Alors attention, il ne faut vraiment pas le confondre, même si ça ressemble beaucoup à ces deux espèces. C'est vraiment une espèce totalement à part entière. Alors l'ascalaphe est un insecte qu'on va principalement retrouver dans la moitié sud de la France, même si on peut le retrouver également dans le nord, même si c'est un tout petit peu plus rare, et qu'on va retrouver également majoritairement en altitude, donc entre 300 et 1500 mètres, voire 2000 mètres. Moi, ça m'est arrivé d'en voir vraiment très très haut. Et c'est un insecte qui va surtout apprécier les zones très ouvertes au soleil, ensoleillées, donc les milieux plutôt chauds, parce que c'est un insecte qui va chasser en vol beaucoup de mouches et de moucherons. Donc il a besoin d'avoir des milieux très ouverts pour pouvoir chasser tranquillement. Alors là, je me suis levé très tôt, tout simplement parce que, comme tous les insectes volants, donc que ce soit papillon ou libellule et donc ascalaphe, les ascalaphes ont besoin d'avoir leur corps qui va être réchauffé par les rayons du soleil ou par la chaleur de la journée avant de pouvoir s'envoler. Donc là, le fait de m'être levé vraiment très très tôt, ça va me permettre de prendre vraiment le temps de le photographier, puisque je sais qu'il ne va pas décoller pendant à peu près une heure et demie. Donc on a vraiment le temps de bien le photographier. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille fortement en macrophotographie, c'est de vous lever très très tôt, parce qu'à ce moment de la journée, les insectes, particulièrement les insectes volants, sont quasiment immobiles. Du coup, on a vraiment le temps de travailler sa composition et de photographier les sujets. Alors l'ascalaphe est un insecte qui va généralement passer ses nuits dans les hautes herbes pour se camoufler des prédateurs, donc il faut bien ouvrir l'œil. C'est un insecte qui n'est pas forcément petit, mais qui n'est pas non plus hyper grand, donc on peut vite passer à côté. Et donc il faut surtout regarder dans les hautes herbes pour essayer de le trouver, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous montrer l'ascalaphe en photographie. Alors là, on en a un qui est juste ici. Alors, il n'est pas très bien positionné. Vous voyez, il y a beaucoup de végétation tout autour. Il est assez bas dans les hautes herbes. Du coup, ben, je ne pense pas que je vais photographier celui-là. Je sais que c'est le genre d'environnement qui est un peu trop chargé et donc ça ne va pas rendre bien en photographie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tranquille et on va essayer de trouver un autre spécimen, un autre individu qui va être un petit peu mieux positionné pour que je vous montre un petit peu plus en détail l'ascalaphe. Alors là, j'en ai trouvé un super bien, qui est très très bien positionné. Il est sur cette longue tige juste ici. Quasiment pas de végétation tout autour, donc ça va être pas mal pour obtenir quelque chose de peut-être un petit peu subtil, un petit peu minimaliste. C'est le genre d'environnement que là, j'aime beaucoup. On a cette zone un peu haute avec ces herbes qui sont au premier plan. On va essayer de voir si on peut jouer avec. Mais j'aime beaucoup la position de l'ascalaphe. Je pense que ça va rendre très bien. Donc on va sortir le matériel
et je vais vous montrer la Scalaf en gros plan. Alors au niveau du matériel, moi je vous conseille très fortement d'opter pour un objectif macro, un vrai objectif macro dédié à la macrophotographie, parce que comme je l'ai dit, la Scalaf est un sujet qui n'est pas très petit mais qui n'est pas très très grand non plus, donc la possibilité de se rapprocher vraiment du sujet avec un objectif macro, avec une distance minimale de mise au point qui va être assez petite, va vous permettre d'avoir un sujet qui ne va pas être totalement perdu dans l'image. Donc moi je vous conseille de partir sur un objectif macro. Alors aujourd'hui je suis parti sur le 150 mm macro de chez Sigma, un objectif vraiment exceptionnel que j'aime beaucoup utiliser. D'ailleurs j'ai fait un article test complet dessus, si ça vous intéresse je vous le mets en fiche juste en haut à droite de cette vidéo. Mais pourquoi je suis parti sur le 150 mm macro plutôt qu'un 100 mm ou un 90 mm? Tout simplement parce que je ne veux pas effrayer la Scalaf. Voilà, c'est un insecte qui est assez craintif. Du coup, le 150 mm me permet d'être un petit peu plus loin qu'avec un 100 mm, surtout que ici je suis monté sur le Nikon D500, donc un format APS-C, ce qui me permet de vraiment rester à distance du sujet et donc de ne pas l'effrayer et surtout de ne pas risquer qu'il s'envole. Je vais également utiliser un trépied. Alors pourquoi utiliser un trépied? Tout simplement parce que on a un petit peu de vent ce matin sur cette zone-là, donc vous voyez que les brindilles vont bouger un petit peu, notamment la brindille où est située la Scalaf. Du coup, ça va être plus compliqué de bien faire la mise au point puisque le support va bouger. Et du coup, je ne veux pas rajouter encore plus de flou avec le flou de bouger également, des problèmes de mise au point si je travaille à main levée. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ici un trépied. Alors pareil, je vous ai également déjà fait une vidéo spécialement dédiée au choix d'un bon trépied pour la photographie animalière et la macrophotographie. Donc je vous laisserai la visionner, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Donc allez, c'est parti, je vais monter mon matériel sur le trépied, puis on va essayer de photographier la Scalaf d'un tout petit peu plus près. Donc voilà pour la Scalaf d'un petit peu plus près. Donc vous voyez un insecte vraiment très beau et très élégant qui va avoir beaucoup de finesse et de détails sur les ailes. Donc moi, c'est vraiment un de mes sujets préférés en macrophotographie. Alors là, on est en présence d'un Ascalaf blanc qui est une espèce assez peu fréquente. Moi, j'ai la chance d'avoir des Ascalaf blancs autour de chez moi, mais généralement en France, on va plutôt retrouver l'Ascalaf soufré qui est beaucoup plus présent dans les campagnes en France. On peut également retrouver la Scalaf ambrée. Alors là, le sujet n'est pas hyper bien positionné. Il a la tige qui passe devant. Du coup, je vais essayer de le faire changer un petit peu de position pour vous le montrer un petit peu mieux. Alors attention, avec les insectes volants et les insectes en général, mais surtout les insectes volants type libellule, papillon et donc Ascalaf, il ne faut jamais les toucher avec les doigts parce que vous pouvez leur créer des micro-lésions qui seront irréparables ou également leur transmettre des maladies. Alors une petite astuce pour faire bouger la Scalaf sans le toucher, il faut savoir que c'est un insecte qui est assez joueur, qui va généralement se cacher de la présence humaine. Et donc pour le faire bouger, il suffit généralement de se déplacer un petit peu sur le côté. Et donc il va adapter sa position, il va tourner autour de la tige pour se cacher. Et du coup, ça va nous permettre de le repositionner un petit peu plus. Donc si je me déplace ici, que je me mets un peu sur sa droite et que je m'approche peut-être un petit peu de lui, et bien vous allez voir qu'il va bouger sa position pour se déplacer un tout petit peu. Donc je vais tourner juste autour comme ceci afin de mieux vous le montrer. Vous voyez, ça permet vraiment de le faire tourner autour de la tige sans le toucher, donc sans lui créer de blessure. Alors c'est vraiment pas évident, il va essayer de bouger assez régulièrement. Donc là il a changé de côté, donc je vais juste refaire ma composition. Je vais faire également la mise au point pour être sûr qu'il est bien net. Et donc, vous voyez que cette simple astuce permet de repositionner assez facilement un Ascalaf pour votre photographie. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on va retrouver généralement l'Ascalaf entre la mi-mai et le début juillet, voire fin juillet, si vous êtes dans des zones assez froides comme en altitude, donc comme ici en Savoie. Alors, c'est un insecte qui va faire entre 45 et 55 mm d'envergure. Donc, c'est pas forcément un très gros insecte, mais c'est pas non plus un tout petit insecte, comme je l'ai dit. Alors, c'est une espèce qui n'est pas spécialement menacée au niveau européen ni au niveau de la France. On va le retrouver assez régulièrement et assez facilement si on sait où le trouver et où le chercher. Mais il peut subir très localement des dégâts liés à l'agriculture, donc avec les pesticides. Ça peut arriver qu'on ait une présence un petit peu moins importante de la Scalaf. Pour distinguer les mâles des femelles, ça va être assez simple puisque le mâle va avoir au bout de son abdomen un crochet vraiment très visible qui lui permet en fait de saisir
la femelle pour l'accouplement, notamment pour la saisir en vol. Et ouais, la scalave, ça rigole pas. Donc là, vous voyez que la scalave est vraiment hyper tranquille, il ne bouge quasiment pas parce que, comme je l'ai dit, on est très tôt. Du coup, je peux vraiment prendre le temps de travailler ma composition et mes réglages. Je sais que la scalave ne va pas s'envoler avant un petit moment. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de travailler la composition et de travailler les réglages. Vous voyez que là, on a une photographie qui est peut-être intéressante, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment améliorer ça. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais légèrement changer ma composition. Je trouve que là, on est sur un angle de vue un petit peu en plongée. Moi, c'est pas forcément ce que j'aime. J'aime vraiment me retrouver au niveau du sujet. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer un petit peu sur la droite et également vers le bas pour me retrouver un petit peu plus au niveau du sujet. Alors, je me suis également un petit peu reculé pour laisser un peu plus d'espace autour du sujet. Moi, c'est le genre de photographie que je privilégie. Je vais rarement faire de la vraie macro photographie. Je vais plutôt faire ce qu'on appelle de la proxy photographie où le sujet va occuper une petite place dans l'image et où on va utiliser vraiment l'environnement tout autour pour essayer de le sublimer. Alors, au niveau des réglages, rien de bien compliqué. Ici, je suis en mode priorité à l'ouverture. Donc, c'est moi qui décide de l'ouverture du diaphragme et de la sensibilité ISO. Et l'appareil photo va automatiquement me sélectionner une vitesse d'obturation qu'il juge nécessaire pour obtenir une photographie bien exposée selon lui. Alors là, je suis à F9, une vitesse d'obturation de 1/20 de seconde et ISO 100. Donc, je vais changer un petit peu ça. Comme je l'ai dit, on a un peu de vent, donc du coup, la vitesse d'obturation est peut-être un peu lente, ce qui fait qu'on va avoir du flou de bouger lorsque l'on va prendre des photographies. Donc, je vais changer ça. Je vais surtout augmenter ma sensibilité ISO, peut-être la passer à 500 ISO, ce qui me permet d'obtenir une vitesse d'obturation de 1/100 de seconde. Et je vais également travailler sur l'ouverture du diaphragme. Là, vous voyez qu'on a un arrière-plan, on a des éléments en arrière-plan qui sont un petit peu présents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir légèrement mon ouverture du diaphragme, peut-être pour aller à F5 comme ceci, ce qui fait que ça va me noyer un petit peu plus mon arrière-plan. Donc, on va prendre une photographie pour voir le résultat. Et là, on a une ambiance qui, moi, me plaît beaucoup avec un arrière-plan très dégagé, très dilué et un sujet parfaitement net. Alors, n'hésitez pas également à utiliser des télécommandes de déclenchement, surtout très tôt le matin lorsque l'on va manquer un petit peu de lumière et où on va travailler avec des vitesses d'obturation assez lentes. Alors, je ne les ai pas amenées ici, mais c'est des télécommandes qui viennent se brancher sur l'appareil photo et qui permettent de déclencher à distance, qui nous évite en fait de venir poser la main sur l'appareil photo et d'appuyer sur le déclencheur, ce qui va créer des micro-tremblements sur l'appareil photo et qui peut donc, surtout en macro-photographie, créer du flou de bouger. N'hésitez pas également à utiliser le mode Live View lorsque vous travaillez comme ici avec un trépied. Donc, le mode Live View, c'est l'affichage sur l'écran arrière de l'appareil photo. Et en fait, avec la loupe, on va pouvoir venir zoomer vraiment très fort dans l'image, ce qui nous permet d'aller peaufiner notre mise au point manuellement. Par exemple, ici, si je viens tourner très légèrement ma mise au point, je vais pouvoir la peaufiner très, très précisément sur l'œil du sujet, ce qui me permet de rajouter encore plus de netteté sur l'œil du sujet. Et c'est une astuce qui est également très utile lorsqu'il y a un peu de vent comme ça, parce que généralement l'autofocus ne va pas être assez performant et puis on ne va pas s'amuser à faire l'autofocus à chaque instant. D'ailleurs, en macrophotographie, moi je vous conseille plutôt d'utiliser le focus manuel et donc le fait de pouvoir zoomer comme ceci dans l'image et de venir peaufiner à la main avec le focus manuel, la mise au point, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors, n'hésitez pas également à varier vos angles de vue. C'est ça qui fera vraiment la différence, surtout en macro-photographie. Et donc, à tourner autour du sujet. Par exemple, ici, je vois que j'ai des petites fleurs jaunes qui sont pas très loin derrière le sujet. Et donc, si j'essaye de me déplacer un tout petit peu, je peux peut-être essayer d'aller intégrer ces différentes taches de couleur dans l'arrière-plan. Alors là, il faut que je me remette un petit peu plus au-dessus par rapport au sujet. Donc, je vais déplier un peu plus mon trépied. Voilà, comme ça. Et donc là, vous pouvez voir qu'on va commencer à intégrer des taches de couleur un petit peu plus intéressantes dans l'arrière-plan. Donc, n'hésitez vraiment pas à varier vos angles de vue, à tourner autour de votre sujet. Là, l'avantage, c'est que la scalaf ne bouge quasiment pas du coup. C'est vraiment le gros point fort de se lever très tôt le matin, c'est qu'on peut vraiment tourner autour du sujet et d'essayer d'aller chercher des éléments beaucoup plus intéressants en arrière-plan pour rajouter encore plus de créativité à notre image. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite puisque je vais essayer d'apporter beaucoup plus de subtilité et de créativité à mon image en retravaillant ma composition également, en jouant sur les réglages.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo consacrée à l'ascalave, donc un très joli insecte que moi j'adore photographier. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que c'est un de mes sujets préférés en macrophotographie. Donc j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de photographie sur le terrain. Si vous souhaitez apprendre à obtenir ce genre d'ambiance pastel dès la prise de vue directement sur l'appareil photo, je vous invite à vous inscrire à ma nouvelle formation L'art des photos pastel qui vient d'apparaître à l'écran où je vous apprends et bien notamment toutes mes techniques et toutes les astuces que j'utilise pour obtenir ce genre d'ambiance très colorée et très pastel. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter. C'est également le meilleur moyen pour soutenir la chaîne de Pose Nature et l'aider à grandir. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, eh bien, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine consacré à la photographie animalière et de nature. Et si vous souhaitez progresser beaucoup plus rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube!